Ok, on a allé. Nous saluons tous chaque zombie la presse qui là. Encore une fois, le secteur démocratique là, dit nous merci en pile dans nos peuples haïtiens pour tout accompagnement que nous baillons le peuple là dans la bataille. La presse toujours présente pour faire passer toute information sur l'activité de mobilisation du peuple là. Et la presse toujours présente pour informer le pays sur Zach masquinage, Zach crasé brisé, régime PHTK avec Jovenel Moïse dans tête. Encore une fois, dans nos secteurs démocratiques, là, on a dit nous merci. Je dis à secteur démocratique là, à peine des filles nous voyons une autre. Pour nous dire que pour voir Jovenel Moïse là, avec acolyte Lio, tu as manifesté contentement parce que tu as tendu quelques problèmes dans le secteur. Nous te voyons notre pour nous dire que maturité nous, expérience nous, te permettre nous surmonter problèmes, gros problèmes qui t'a traversé ce secteur. Je dis à là, en plus de notre là, si la presse, ou bien garder nous, virer caméra, nous n'avons pas le secteur démocratique là, dirigeant là. Nous là, c'est pas notre, c'est présence physique nous qui explique côté nous hier dans ce secteur. Donc son signal par notre présence, nous voyons le pouvoir à tout le monde qui a supporté lui, pour nous dire au secteur démocratique là, pas ébranlé, nous camper solide. Nous camper solide grâce à militants nous. Et nous voyons un gros coup d'aïe pour les militants du secteur démocratique. Qui t'a toujours dit nous. Yo même mes côtés yo mette nous, yo mette nous dans le secteur démocratique là, yo pas responsable aucun compte qui nous a gagné dans mitan nous, yo pas pour gérer bagay ça pour nous, c'est unité au monde nous dans le secteur là. Nous pas capable féliciter dirigeant yo, dirigeant secteur démocratique là qui montrait que c'est mon qui en pile maturité, mais vraiment en pile militance qui prêt à faire tout sacrifice pour permettre que outils peuple là rete efficace dans la bataille peuple là, bataille pour nous voir Jovenel Moïse aller à Kapolit Lio pour pita 7 février, bataille pour nous déraciner, déchouquer le système injustice qui établi en dans pays là, depuis 1806 qui plongeait la majorité peuple là dans la misère et qui jodi à là a exprimé sous forme gang qui a multiplié en dans pays pour pouvoir fédérer et qui a manifester sous forme la misère qui croise pied sous l'estomac peuple là. Je dis à la population, particulièrement frères et nous, qui en dans ghetto, frères et nous en dans quartier populaire, ils ne sont pas capables la misère de dépasser les bonnes. Donc, nous disons dirigeants, merci, nous disons militants, merci, nous sortons de la presse, merci, et nous continuons à remercier la population qui est sensible à discours secteur démocratique là. Qui est sensible à la bataille secteur démocratique là, à mener et qui ramasse ces outils ça pour continuer la bataille là. Bataille là, à continuer et nous, chaque qui là, nous prête pour nous engager nous, juste dans le dernier souffle nous, pour permettre que le secteur arrive à conclure la bataille ça, les a retiré Jovenel en dedans palais. Et les peuples là, enfin, va sentir que bon pouvoir qui a pensé à problème ni, problème manger, problème santé, éducation pour Simonio, problème grand goût en général qui a traversé le pays. Donc, nous vraiment contents aujourd'hui avec nous. Nous pourrons passer la parole by Dr. Schiller. Et nous pourrons passer la parole by Dr. Schiller. Mais avant de passer la parole by Dr. Schiller, secteur démocratique là voulait féliciter président Joe Biden, vice-président Kamala Harris pour élection. Kamala Harris, c'est soeur non en couleur, son soeur de couleur. Son femme noire, première femme noire, qui arrivait occuper place vice-président dans les États-Unis. Son fierté pour noir, son victoire pour tout immigrant de par le monde qui tape victime politique administration en vent. Une administration homophobe. Ou administration pavlé ou surtout immigrant, ou administration particulièrement fréaction nous, c'est maltraité ou maltraité, ou administration qui te traite pays nous de shit hole. Shit hole.
tout côté monde fait bagaille nous pour nous là. C'est comme ça l'administration ça te ouais nous. Donc encore une fois, félicitations pour Joe Biden, félicitations pour Kamala Harris qui vivait occupé poste président et vice-président des États-Unis. Donc on va le passer docteur Chile à la parole. Bon, et sénateur Rika Sot et fait une mise en contexte parfait. Nous pensons que nous-mêmes, il y a un premier bagage que nous avons pour nous dire. C'est un, merci à tous les militants qui montrent une fois de plus l'amour pour la bataille là, l'amour pour le secteur démocratique là et pour tout le monde qui a boumé. Mais avant, nous avons une pensée très spéciale pour tout militant qui tombait dans la bataille là. Pour tout le monde qui mourit, monde qui blessé, nèg qui dans prison et que pile nèg qui lagué qu'on y a mais qui dans situation difficile parce que ont perdu tout bagaille et ont humilié ou dans prison, yo lagué au sans rien et nèg ça c'est parce que était toujours quoi dans bataille là. Spécialement chachou la famille. Grand pile monde qui pas comprendre et qui était toujours poser question pour qui ça nous te gain en hostilité envers pouvoir Jovenel Moïse là. Gen moun qui te poser question qui dit toujours ouais secteur démocratique là toujours a dire pas dans chita, il pas dans dialogue, il pas dans affaire poste, il pas dans cohabitation. Gen moun qui même dit secteur démocratique là qu'on ont gens exagéré. Mais qu'on y a m'su que tout le monde ouais secteur démocratique là, tu as raison. Parce que, ou pas kachita kon salissant comme ça. Ou pas kachita à kon papa volé comme ça. Ou pas kachita à kon chat comme ça. Tout le monde clair qu'on y a eu ouais, que Jovenel Moïse fini à payer. D'ailleurs, nous, en pile moun que le touye, zombie moun yon a fait le dépalé. La marche tout pas. Que c'est lui qui touye moun, tout moun ouè sa. Et kou bagay qui est important, m'vle la presse relate. Le ou père a fait un mariage à un femme à un garçon, père toujours dit femme nan, suive ma wou, remè ma wou, occupe ma wou, mi pa jam di volé kou ma wou. Mi pa jam di je me dis assassiner moun tan kou maro. Jovenel Moïse a mari a femme à madame et à Martine nos compétitions qui est-ce qu'a touyer pi plus moun. Père pas jam di ça. Jovenel Moïse nos compétitions ak Martine qui est-ce qu'a voler pi plus. Martine vole 27 millions et nan Cop de Malog. Jovenel dit pas qu'on a rien petit. On va le montrer, il prend comme caravane dans le voler. Jovenel viré, il gade, il dit bon, ou même son petit pitouye, m'bral monto sa m'bral fè Ghana. Il dit Ghana, m'bral monto sa m'bral fè Doval, même. Le Jovenel, le matin, il vient tuer Doval, il dit ouais, qui gros tête m'bral. Jovenel dit gade, il gare. Et puis là, il dit Yuri, il rate Yuri, il prend sécurité Yuri. Ah, il dit non, pas son sécurité ou prend, ou pas te prend Yuri, il dit m'bral prend, m'bral pour étudier mon moto. Il faut qu'il prenne Yuri. Parce que c'est nous campagne qui escape tout le monde, puis plus yoye. Les au couche à soi, c'est ça yo gade. Mais combien comme fait jodia, gade crétin, ou pas même fait ça. Mais combien moun touye, alors que nous comprenons association malfaiteur ça. Association volé ça. Association gang ça. Coup gang ça. Si nous pas mettre ensemble pour nous retirer dans le pays, nous pas qu'on côté n'a privé. C'est ça qui fait moun clé. Opération, mettez maintenant gauche volée, il doit commencer demain. Opération, mettez gauche volée, demain. Opération, mettez maintenant gauche volée, assassin criminel là, c'est il doit commencer rapide. 18 novembre, sakala kawe. Gampil nèg yo fait yo goumé. Yo dit faut diviser secteur démocratique. Yo fait diversion. Sous moyen secteur démocratique là wa boule. Amen, 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 amen
pense yo chef, yo pas chef. Nous pas chef encore. Kato yo chef, yo pas chef. Yo pas chef encore. Son bon traite, son bon petit voleur, son petit vagabond, yo pas chef encore. Peuple haïtien, on prend des stons en main. Le l'état failli, c'est peuple qui assure la relève. Nous pas gain aucun pouvoir qui existait au moment où nous parlons. Le pouvoir législatif n'existe pas, pour ne pas dire plus. Le pouvoir judiciaire n'existe pas, pour ne pas dire plus. L'exécutif pas existé parce que ils sont exécutifs bicéphales que nous gagnons. L'autre tête là, son tête inconstitutionnelle, ajoute qui illégal. Pas gagné magistrat élu. D'ailleurs, je voulais rappeler ça pour mon capitaine. Là, il dit, pas gagné député, c'est pas ça le doyé. Le deuxième lundi du mois de janvier, c'est l'autre député qui doit rentrer pour remplacer l'autre député. Idem pour magistrat, pour kazek. L'arrivée dans le pays, pas de magistrat, pas de député, pas de sénateur élu, son pays qui finit, qui crase. L'arrivée dans le pays, où il y a un président nommé, inculpé, assassin, criminel, qui mette gang pour tout le monde, c'est-à-dire l'État failli, l'État de droit, pas respecté. C'est ça que me dit qu'on y a seul sacrété ce peuple-là qui pour prendre destin en main. Seul sacrété ce peuple haïtien qui pour dit n'a reprendre droit grand dette nous et Jovenel Moïse ou pas de place ou là. M'a dit tout le monde, bataille cap carré à partir 18 novembre, c'est pour une bataille pour nous finir goumer et puis 18 à 11 heures du soir, notre là, quand nous l'albayons, nous reposer. Pas de bagaille encore. Nous nous bataillons jusqu'à ce que Jovenel Moïse entre pénitentiaire national. Bataille là, faut nous clair et nous pas de date. Nous pas été accrochés à une date pour une bataille 18, n'attendre 22, n'attendre 29. Mes amis, bataille là, déclinche jusqu'à ce que Jovenel entre pénitentiaire national. Nous nous bataillons non-stop, sans camper, mort, parce que Jovenel Moïse pas joué avec nous. Jovenel Moïse a tout et nous tous et qu'on bagaille qui portons de la presse relaté. Yo corruption qu'a fait même à que crime Jovenel Moïse a fait. On y a le Jovenel Moïse tout le monde à madame li il dit pas de problème. La acheté moi, il offre pas rien au caille, il offre pas rien au job, il offre pas rien au corps, elle prend cadavre là pour l'enterrer loin pour pas de problème. Même là, sous tête moun, sous cadavre nous, Jovenel Moïse a fait corruption. Moi, je demande à tout militant, peuple haïtien, classe moyenne, tout moun qui est saint, Toussaint, Dessaline, Christophe, qui a coulé dans le venio, qui a pris la mort pour ce qu'il avait fait le 18 novembre 1803, eh bien, nous dit tout le monde, 18 novembre, bataille sa cap déclenché, son bataille, garçon va camper. Et me dit, c'est une révolte populaire qui prend le fait à partir du 18 novembre pour nous mettre Jovenel Moïse KO. Et nous dit tout le monde, concentrez-nous, qui est le secteur démocratique là, qui est toute force 4 goumets à partir du 18 novembre, c'est ça qu'a là, Kawel, opération, mettez main en gauche volée, mettez main en gauche assassin, mettez main en gauche volée, mettez main en gauche kidnappeur, parce que nous ne pas enterrer les gens encore. Nous ne pouvons pas accepter après de dire que ton âme repose en paix, que la terre te soit légère. Non! Aucun monde ne peut dormir en paix en bas terre. Grégory ne peut pas reposer en paix. Evelyne Cesser ne peut pas reposer en paix. C'est la révolte populaire que nous demandons. Et à partir de 18, ça à la Kawel. Pour qu'aucune chaîne de dignité ça qui fait, je ne suis pas capable de remercier et féliciter tout le monde, tant pour Maïska ou Nicolas, qui te mettait disponible.
mais je dis, secteur a réuni au grand complet. Même ça, le pour chaque grand militant pour la responsabilité, qui dit sans secteur, pas de bataille, pas de opposition. Et bataille, ça a fait là, son bataille a fait pour nous délivrer le pays, en bas mes volets, en bas mes criminels, en bas mes assassins, en bas mes délinquants, en bas mes tout, vagabonds qui ont crasé l'institution. Nous voyons comment ils ont crasé la police. C'est bandits qui accompagnent la police dans toute manifestation qu'a fait. Et nous voyons tout. C'est bandits qui va l'arrêter, les gens qui ont envie de rechercher derrière eux, côté la police. Ça veut dire que l'institution a déjà crasé. Mais deuxièmement, nous sommes capables de constater tout. L'autre institution qui est crasée. L'autre IPF qui a gagné un monde pour Sonel Jean-François dans cette ligne. Pas grand monde qui a reproché et qui a reproché Sonel dans rien. Donc nous voyons couper mandal, voyez le côté et depuis là, il crève crasé. Dans le cas de l'ILCC, c'est presque le même bagage là. Ils ont entré là-dedans pour gaspiller un jeune garçon. T'as pour le petit garçon, ils ont mis là-dedans, et finalité là, nous voyons comment ils finissent. Et je vous dis à l'arrivée sous sacré la Cour des comptes, qui c'est le plus gros tribunal administratif pays à guerre. Donc je vous dis, hein, pour Jovenel Moïse venger de 69 fois dans le rapport, pour le venger, eh bien, de une série de dossiers que vous mettez New York, mais tout pour le jeune libertinage, pour le capable de voler l'argent de l'État avant 7 février, avant qu'il découvre, il choisit pour un décret, eh bien, pour le mettre la Cour des comptes de côté. Donc ça veut dire qu'on a une lumière rouge ou une lumière verte. Pour l'entrée dans la caisse d'État, pour faire ça le vivre. Mais maintenant, tout féliciter tout juge qui est dans la Cour des comptes, qui prend responsabilité, et bien, qui dit ça fait là, il conteste. Et il ne va pas contester seulement avant ça. Société a été contestée. Nous-mêmes qui faisons partie des secteurs démocratiques, là, nous contestons. Mais peuple haïtien contesté. Mais puis, gros bagage qui va le faire. C'est dans le cadre de mobilisation qui est déjà lancée là. Nous voulons parler de 18 novembre. 18 novembre, nous sommes qualité de combat sur cette nouvelle qui est menée dans 20e, pour que nous boutons ça comme héritage. Ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord voler, venir diriger. Nous ne sommes pas d'accord assassiner, venir mettre pays. Nous ne sommes pas d'accord tout voyou, penser que nous allons faire ça et avec nous. Donc, dans le contexte, nous ne sommes pas entendre battre bas. Nous ne sommes pas entendre faire bas. Et ça fait nous prendre responsabilité. Nous. Comme demain, c'est 13 novembre. C'est pour deux années, ça fait, depuis qu'ils ont entré la saline. Ils ont fait massacre. Nous avons un militaire pour responsabilité. Qui dit demain, si vous le carrefour résistance temps, il n'y a pas d'assemblée là. Il n'y a pas assemblé là et il n'y a pas assemblé tout. Côté, il y a eu la guerre cadavre, jeune fille, ça, qui c'est Evelyne Cécile. Et pour yon direction la zone, pour yon sorti zone Delma 24, tomber la lune, et pour yon passer devant le ministère de la Justice, pour yon devant la Cour des comptes. Mais pour nous-mêmes, au niveau de l'opposition, nous voulons parler de opposition, quatre batailles dans l'intérêt pays, dans l'intérêt peuple haïtien. Nous voulons parler de secteur démocratique, là, 18 novembre, nous pouvons habiter nous dans la rue. Dans la rue, on a dit Jovenel Moïse, mais quoi maman, mais quoi papa, sous capable de river champ de masse. Sous capable de river, eh bien, comment est Panthéon national. Devant monument Panthéon national. Mais avant de parler de ça, on a demandé à tout militant qui est responsable au CAPI et qui fait partie du secteur démocratique, pour avoir responsabilité concernant nos pays. Nous avons la liberté de la guerre dans nos pays. Nous avons libre qui veut bailler avec Thierry. Comme quoi que. Jovenel Moïse est capable à l'aise pour le 20e, nous demandons à tous les militants qui font partie de l'opposition et qui font partie des secteurs démocratiques pour prendre responsabilité pour gérer le 20e. Même nous-mêmes, dans le Port-au-Prince, nous pouvons gérer le monument de Saline, pour dire pas qu'il y a une sale image de Saline, une autre fois encore, par rapport à Jean Demoulin. Mais quand il y a là, 18 novembre, ce n'est pas un gros combat qui va lier pour nous. Et ce n'est pas un réveil qui va le montrer à l'international. Volume monde qui va dire qu'on n'est pas d'accord avec Jovenel Moïse. C'est pour la plus grande occasion que nous allons gagner pour mobilisation, pour nous récamper, pour nous récarrer, chanter, parce que c'est pour une mobilisation non-stop. Et qui côté que nous avons rassemblé? Eh bien, bon bout qui a rassemblé en bas monument Jean-Jacques Dessalines sous champ de masse. Bon autre bout qui a rassemblé Delma 24, qui précisément côté de la guerre, quand la jeune fille ça, qui c'est Evelyne Cécile. A bon site qui a fait là. A bon troisième site qui a fait devant l'ambassade américaine. Ça veut dire l'ambassade américaine a sorti et bien pour venir croiser ensemble avec nous dans le carrefour résistance qui va le dernier site côté nous va monter l'autoroute Delma et bien pour laguer contre Delma 60 pour nous tomber par Boudo et bien pour nous bout devant Palais National. Et c'est là nous-mêmes nous galer parce que question nous c'est Jovenel Moïse. Nous va quitter devant Palais à Libou. Et d'ailleurs ces derniers temps si nous disons notre bataille pour nous déchouquer Jovenel
Côté qui est important pour nous, c'est zone Pétionville, c'est zone Pélérecin, et c'est zone tout, eh bien, et palais national, c'est à partir de là nous allons. Et ça fait nous demander avec tous les militants qui pourront participer dans le match ça. Nous croyons que la RIA pour nous 18 novembre, la RIA pour nous, nous avons prendre responsabilité nous. Pour nous dire que Jovenel Moïse n'est pas qu'à arriver là. Mais c'est pas un signal que nous allons voir tout avec une nouvelle administration qui a monté là pour voir désormais. Le pays n'est pas capable de 7 février 2021 pour le 10 jours de l'élément. Bye bye. C'est ton plaisir. Très bien. C'est bien. Conférence de presse matin, son conférence de presse historique. Le matin, moi je voulais saluer la sérénité retrouvée au sein du secteur démocratique et populaire. Je voulais saluer le retour de l'unité au sein de cette famille politique. Et je voulais féliciter ce comité qui a déjà réussi. À peine commencé le travail, mais qui est déjà réussi. Ce comité est composé de sénateur Ricard Pierre, Antonio Chirami, et de mon ami cousin Ronny Collin, qui font un travail extraordinaire. La conférence de presse matin, c'est déjà un élément important dans le travail du comité. Et m'a rappelé rapidement au comité A une mission qui se permettre au secteur à continuer de vivre, pour nous rejoindre harmonie, que nous déjà rejoindre dans le secteur. Et entre-temps, pour chaque monde, chaque militant, chaque dirigeant, chaque cadre dans le secteur démocratique là, continuer à assumer responsabilité. Parallèlement au travail de la commission, le sénateur Beaublanc qui était là, qui est déplacé, a continué à assumer responsabilité. Madame Marjorie Michel, que je considère toujours comme la plaque tournante du secteur démocratique et populaire, doit continuer à assumer ses responsabilités. Anel Kassi, que je considère comme le véritable maestro, doit continuer à assumer ses responsabilités. Tout le monde doit continuer à assumer responsabilité. Moi, je voulais dénoncer la répression qu'a faite dans le nord du pays sous dirigeants locaux du secteur démocratique. Par exemple, Gagnon Mackenson Fatal, qui est dirigeant porte-parole secteur démocratique là, il a travaillé comme professeur dans le lycée Bookman parce que monsieur prend position bon côté population, hein, bon côté secteur démocratique là, il a transféré, il a voulu le travail comme avant. Cela est inacceptable et ça traduit qui qualité gouvernement nous est là. Je dis à quelques jours de la grande mobilisation du 17 octobre, de la grande mobilisation du 18 novembre 2020, rappelez-nous bataille vertière, nous voulons adresser nous sans distinction aucune à tous les secteurs de la vie nationale. Dans quel que soit secteur où a évolué dans le pays d'Haïti ou concerné, qui tous ces professeurs, qui tous ces marchands, qui tous ces paysans, qui est ou son monde qui est dans le secteur privé, qui doit évoluer dans le secteur femme, qui est dans la couche populaire, qui est dans le parti politique, qui est dans la société civile ou concerné. On est tous en danger dans ce pays. Personne, et vraiment personne n'est à l'abri. Pas qu'il y a personne monde qui est en sécurité dans le pays d'Haïti. Un gouvernement qui a assassiné un non-faculté, un étudiant, tant que Grégory Saint-Hilaire, c'est un gouvernement criminel. Un gouvernement qui assassinait un bâtonnier, c'est un gouvernement criminel. Un gouvernement qui mettait gang dans tout le pays pour massacrer le monde. Massacrer le monde, Cité Soleil, Belle La Saline, c'est un gouvernement criminel. Et on ne peut pas composer avec un gouvernement criminel. Et pas personne monde
qui est capable de composer avec le gouvernement. Tout ça, parce qu'en politique comme dans la vie, on ne compose pas avec le mal absolu. C'est tout le monde qui peut rentrer dans la bataille. Par aucun secteur qui est capable de sauver pour compter aujourd'hui en Haïti. Étudiant pas qu'à sauver pour quoi? Avocat pas qu'à sauver. Musicien pas qu'à sauver. Homme d'affaires pas qu'à sauver. Politicien pas qu'à sauver. Moun dans la société civile pas qu'à sauver pour compter. Le salut doit être collectif. Mais pour qui ça? Pour mettre tout secteur dans le pays. Pour venir participer le 18 novembre 2020 dans une grosse journée de mobilisation ça qu'a fait dans tout le pays. Dans Port-au-Prince, dans toute Restville, pays d'Haïti. Ce sera une journée de mobilisation nationale. Bataille, secteur démocratique là, pas changé. Revendication peuple là, pas changé. Objectif, journée de mobilisation 18 novembre, clair et clair pour tout le monde. Il ne faut pas oublier. L'article 234-2 de la Constitution est clair. L'on mettait l'ensemble avec l'article 239 décret électoral là, il dit très clairement que le mandat de Jovenel Moïse obligé fini de toute façon, sans aucune possibilité de confusion, le 7 février 2021. Et moi, m'entendez la Jovenel Moïse a compté qu'il est mandat par la fin. L'on coupé mandat. Nenel Kassi, Yuri La Tortue, l'autre sénateur qui était élu dans l'élection 2015 pour 6 ans, qui est entré en fonction en 2016, Jovenel Moïse t'a dit, même si M. Sayo rentré en fonction en 2016, cependant, le mandat a commencé depuis 2014. Oui, il a calculé pour eux, mais lui-même lui dit, par là, commence en 2017. Il n'y a pas de droit fini 7 février 2021 sans 2022 pour le finir. C'est comme si le lap compte pour lui, il y a un jean compté, le lap compte pour l'autre monde, il y a un autre jean compté. C'est comme si la Constitution 1957 là, c'est belle, mais sénateur, mais c'est maman Jovenel Moïse. Cela n'existe pas. Le 7 février 2021, c'est la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Et bataille peuple là, partant 7 février 2021, le plus vite possible. C'est pour nous mettre dans le pays à un gouvernement de transition. Objectif là clair. Il faut un gouvernement de transition qui pour permettre que nous créions conditions pour procès massacre La Saline, procès massacre Cité Soleil, procès massacre Belay. Fait. Il faut un gouvernement de transition qui pour créer conditions pour procès Petro-Caribéa. Fait. Côté quelques garçons avec femmes. Volait plus passer 4,2 milliards de dollars. On ne peut pas accepter cet acte de corruption. Il faut punir les dilapidateurs des fonds pétro-caribé. Parce que c'est corruption qui fait l'État pas jouer de moyens pour construire l'école dans le pays. C'est corruption qui fait nous pauvres comme ça. C'est corruption qui fait l'État pas avoir de moyens pour construire l'hôpital, pour payer professeurs, payer policiers, construire route, payer employés l'État. On ne peut pas laisser la violation des droits économiques du peuple haïtien sans que la justice pas assume les responsabilités. Il faut que le procès Pedro Caribe a fait. C'est la transition. Hein? Nous allons faire conférence nationale là. Et c'est ça qui bataille, qui est bien important pour le secteur démocratique. C'est la conférence nationale là qui peut permettre que nous craser un système PC sous C. Nous mettons dans le pays à depuis 17 octobre 1806. Léo fin assassiné Papa Nation. Et bataille secteur démocratique là. C'est pour une bataille pour nous prendre le pouvoir à tout prix. C'est une bataille pour nous craser un système pesé sous ses qui s'y m'a émisé dans quatre pays. Et c'est ça que nous dit conférence nationale haïtienne. C'est lui-même qui vous permet, dans le dialogue, dans la concertation, nous craser un système mi au mi-bas pour nous construire un autre pays, un autre État pour tout le monde. Pour tout le monde, nous construisons un pays pour diaspora, pour paysans, pour jeunes, pour femmes, pour les gens qui sont dans le quartier populaire, pour journalistes, pour avocats, pour toutes les socioprofessionnels. Voilà le combat le plus important que nous devons gagner. Et si il y a un débat qui vous fait sur la question de la constitution, eh bien bon, pourquoi pas? Dans la transition, nous avons fait débat sur la nouvelle constitution. Est-ce que nous avons changé? Est-ce que nous avons modifié? Mais c'est le gouvernement de transition qui fait. Un gouvernement rejeté par la population, comme le gouvernement de Jovenel Moïse, n'a pas l'autorité morale et la légitimité nécessaire pour engager un débat aussi important.
Et nous fini nous porter solidarité nous la Cour supérieure des comptes. De notre tentative pour craser la Cour des comptes. La Cour des comptes est des attributions de contrôle constitutionnel. Et la Cour exerce ses attributions de contrôle de deux manières. De manière a priori et de manière a posteriori. A priori, avant l'exécution des contrats. C'est-à-dire, pour la pointe interne, pour est-ce que le contrat ça bon, est-ce que l'institution ça qui va l'exécuter le contrat, il y a une capacité pour le faire. Et ma petite nous, dans quatre dossiers Petro-Caribe, si la Cour te exerce attribution contrôle, et avant même de commencer à exécuter le contrat, nous ne pouvons pas bien cliquer à côté ça. Attribution contrôle a posteriori, après l'exécution des contrats, ça c'est la cabrit qui passe au bras le dit fermé barrière. Bref, on ne peut pas accepter que décret puisse enlever à la Cour des comptes ses attributions de contrôle a priori. Voilà pourquoi nous supportons la Cour des comptes, tout comme nous supportons CSPJ. Moi, CSPJ, sanctionné magistrat, ministre de la justice, il ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Il faut continuer le combat pour une autre société haïtienne, un nouvel État capable de protéger tous les Haïtiens. 18 novembre 2020, nous attendons toutes les couches sociales à cette grande journée de mobilisation nationale. Encore une fois, messieurs, dames, secteur démocratique, nous saluons et ce comité qui a fait un travail formidable. Nous félicitons. Le comité a déjà réussi notre travail. Appel pour la police. La police, c'est une institution républicaine qui a une responsabilité constitutionnelle. Protéger les vies et les biens. Et le policier doit être au-dessus de la mêlée politique partisane. La police a des notifications et la responsabilité de la police à partir de ce moment, ce sera d'être sur place, sur toute l'étendue du territoire national pour protéger l'ordre public, c'est-à-dire protéger les vies et les biens. Et nous espérons que la police là l'a montré responsable et que 18 novembre l'a passé dans la paix. Que effectivement le peuple a exprimé correctement. Merci en pile et c'est le sénateur cher ami pour la dernière intervention pour vous. Nous saluons la presse en général qui est là aujourd'hui, hein, qui est présent, et nous disons merci à la presse qui n'a jamais lagué le secteur. Nous dit tout militant, je dis, qui présent, merci. Nous dit tout dirigeant qui te voit nécessité pour te mettre tête ensemble, je dis, nous dit merci. C'est mon travail qui était trop difficile parce que yon nan bagay qui était important, tout est tombé d'accord, bataille peuple là, pas gen doit camper. Je dis, m'a pas dit ça, l'autre collègue dit déjà, mais m'a rappelé peuple haïtien. 18 novembre, c'est le dernier 18 novembre que Jovenel a bien pour le dans le pays. Il n'y a pas de chance pour l'autre 18 novembre encore. Et ma place, on appelle par tous les outils politiques qui ont réfléchi, qui ont agi dans le pays pour me dire nous avons fait tout sacrifice nécessaire pour ne pas créer confusion dans la tête population parce que 18 novembre, ça, depuis nous raté, le peuple a raté un gros coup. Nous connaissons sa date, ça a représenté, c'est la date combat. C'est la bataille qui ne doit pas faire confusion et qui doit être clair. Nous connaissons aujourd'hui des gens dans la section communale qui ont gardé le secteur à distance qui sont contents. Ils sont contents parce que ça a fait mal en pile. Là où t'as assisté à ce qui t'a passé. Et nous voyons à qui volonté, avec qui rapidité, PHTK, t'a servi avec image ça, avec son ça, pour te kembe nous yon dose et face et pour kembe nous dos à dos. Et bien, je dis, ni moun qui dans la diaspora est content, ni moun qui dans la ville, dans l'autre commune est content, ni moun qui dans la capitale est content, ni moun qui dans la section communale est content. Nous avons fini pour nous dire, parce que nous ne sommes pas trop longs, au contraire, nous ne sommes pas de même parler, nous avons fini d'André qui dit tout ça, nous avons pour nous dire. Mais comme forme place un mot, nous sommes obligés de venir pour nous dire nous merci. Merci tout le monde nous rencontrer. Nous rencontrer les gens qui étaient plus fâchés. Nous rencontrons des gens qui baissent dans le secteur, mais aujourd'hui, qui pas d'accord à un certain moment. Mais ils ont tous tombé d'accord. Faut que la bataille a continué. Et bien, nous avons dit, peuple haïtien, 18 novembre, pas de faire lâche, pas de faire bac,
Et nous avons dit Jovenel pas chef. Jovenel c'est traître. Jovenel pas chef. Jovenel c'est traître. L'autre ou a tué un bâtonnier pour ça. Bon mes amis, est-ce que maintenant nous tout pas levé? Nous avons vidéo dans la rue. Est-ce que nous avons vidéo dans la rue? Alors Jovenel qui a vidéo tout le temps ça, si bouche qui pas de chapé, nous pas d'abjon nous vidéo. Nous avons rentré dans la campagne. Jovenel rentré dans la campagne. La marche à gauche, à droite, la marche à palais. M'a dit peuple haïtien aujourd'hui. M'a dit peuple haïtien aujourd'hui. Si Jovenel pas de encadrement comme président, c'est tout ou ni nous t'avons dans la rue, à marche à palais, à citer nos Doval. Parce que famille Doval pas joué. Et ça qui a privé l'ouel dans toute radio, à monter descendre dans son monde qui fou, son monde qui varié, et la marche des palais, et le poko, je me dis rien toujours. Il prend pour le palais de. Et Grégory, qui parle pour parler de Ghana, qui parle pour parler de les gagnants, qui parle pour parler de massacre la Saline, qui parle pour accuser tout le monde qui est à côté, qui a participé à faire crime sur la population. Et je dis, il y a un plus gros bagage que Jovenel fait. Il fait palais national, tous nos gangs, et puis dans chaque zone, il met aussi qui ça la ramasse sang avec l'argent pour lui. Nous prenons note. Et sous base ça, je dis, peuple haïtien, 4 et 18 novembre, c'est ensemble pour vous gourmet. C'est ensemble pour vous mettre tête. Yo. Nous ne pouvons pas quitter personne ni te mettre d'autres gâteaux de vie et plan ça. Nous avons campé mine pour nous bailler Jovenel réponse et nous avons dû être connecté avec non seulement le secteur et tous les outils politiques qui ont mis tête têtes ensemble pour permettre que 18 novembre on réussisse et c'est le dernier 18 novembre que Jovenel Bralgué pour le ouais en pays. Merci tout le monde qui t'a aidé, secteur. Merci tout le monde qui t'a aidé et mouvement réconciliation ça. Merci tout le monde, militants, qui t'a voyé sur le réseau, pas content, qui t'a fâché. Merci pour M. Motoyo. Merci pour l'organisation de base. Merci la presse. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec nous aujourd'hui. Merci.